Bonjour, bonjour. Les gendarmes de l'histoire. Et je souhaite que tous ensemble, que vous soyez les gendarmes de l'histoire que nous allons écrire ici à Yopougon. Mais pour écrire cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin des soeurs, des mères, des jeunes, des chefs. Mais ce que je peux vous dire, l'homme qui est arrêté devant vous, quand il pense, c'est Alassane Ouattara. L'homme qui est arrêté devant vous, quand il dit, c'est que derrière, Alassane Ouattara a dit. Donc en venant ici, le président Alassane Ouattara, qui dispose dans sa main de la carte de Yopougon, qui sait que kilomètre 17, il y a un problème de route, qui sait qu'à Sikogide, il y a un problème d'eau, qui sait qu'à Andokwa, il y a un problème d'électricité, qui sait qu'en Elas, à Rakaoua, à Port-Wédé, il y a un problème d'école. Quand il prend la cartographie, il sait. Mais quand il a fini de savoir et qu'il m'a appelé, et il m'a dit, jeune frère, tu iras à Yopougon. Ton grand frère, le ministre d'État Kafana, y était, tu iras à Yopougon. Mais je viens à Yopougon pour accélérer le développement. Oui, je viens à Yopougon pour que demain, quand le ministre Lagonda est assis à Cocody, il a envie de venir à Yopougon. Quand le ministre Fabri est assis en zone 4 dans sa résidence, il a envie de venir à Yopougon. Quand tous ces cadres qui habitent Yopougon, zone 4, Rivera, il faut que Yop. Oui, parce que ici à Yop, comment comprendre? Et Mabri l'a dit tout à l'heure, nous avons la zone industrielle la plus importante. C'est pour cela que j'ai demandé à mon frère Claude Saï d'être le président du comité scientifique de réalisation de Yopougon. Et avec lui, il y aura un autre de mes frères d'une grande intelligence que j'ai nommé ici, Noumoru Siribé. Oui, les deux. L'un est un grand diplomate, l'autre, il est le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Ils vont donc penser Yopougon, mais ils vont penser Yopougon sur les 20 années à venir. Nous allons écrire Yopougon 2040. Et en écrivant Yopougon 2040, la première population à laquelle je pense, ce sont les femmes. Oui. Dans tous les pays du monde, les pays les plus solides reposent sur les familles solides. Mais la solidité des familles repose sur les femmes. C'est pour cela que nous allons au sein de la communauté d'hommes et de Yopougon, nous allons mettre un comité de financement des projets des femmes d'hommes. J'ai programmé dans le mois de mai de visiter chaque quartier de Yopougon. Et à chaque rencontre de Yopougon,
Je parlerai avec les femmes, mais je parlerai avec les jeunes. Je disais à Chanton, comment... Non, chère population de Dieu, écoutez l'autre aussi. Hein. Ce que nous sommes venus vous dire, tout ce que j'ai énuméré, tout ce dont j'ai parlé, si vous voulez avoir, écoutez-moi très bien, parce que souvent, vous savez, pendant la période électorale, chacun vient dire, moi, la voter pour moi. Vous savez, pendant la période électorale, chacun va passer vous voir. Et chacun va dire, oui, si vous votez pour moi, je vais vous donner de l'eau. Si vous votez pour moi, je vais goudronner votre ville. Si vous votez pour moi, je vais vous donner des écoles. Si vous votez pour moi, je vais vous donner l'argent, vous les femmes. Vous allez travailler. Si vous votez pour moi, les jeunes, on va vous donner du travail. Vous devez poser une seule question à la personne qui vous demande. Tout ce que tu veux faire là, c'est bien. Mais est-ce que toi, là, tu connais le Premier ministre, Madougou Koulibaly? Tu lui demandes, oui, mon frère, c'est vrai, tout ce que tu as, tu dis, tu vas faire là. Mais est-ce que toi, là, tu peux rencontrer le président de la République, le président de la République, Alassane Ouattara? Il faut lui demander, mais toi, c'est le président qui t'envoie ici pour venir travailler pour nous? Ou bien c'est le Premier ministre? S'il ne répond pas à la question, là, ne l'écoutez plus. Parce que le candidat là, parce que le maire, c'est le maire qui vient mettre en œuvre là, qui vient mettre en œuvre la politique sociale du gouvernement. C'est le maire qui vient mettre en place le projet ou le programme de développement du gouvernement. Le maire là, même le budget du maire là, c'est le gouvernement qui lui donne. Tous les projets que le maire réalise là, c'est le Premier ministre et le gouvernement qui lui permet de faire ça. Mais si toi, le gouvernement t'a pas choisi, le Premier ministre t'a pas choisi, le président même ne te connaît pas, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour les gens? Donc, c'est pas la peine. Les gens vont venir vous distribuer de l'argent maintenant. Ils vont vous donner de l'argent pour dire on va faire ceci, on va faire cela. Peut-être même ils vont venir avec des photos, ils vont venir déposer les photos et tout ça. Oui, ils peuvent élever des photos. Mais pour que le courant, la lumière vienne là, si le gouvernement ne dit pas oui là, il n'aura pas de lumière. Il fallait déposer des trucs dans les villages pour dire nous là, on va venir faire forage pour vous, on va vous aider et tout ça. Si le gouvernement là n'est pas d'accord, là, ça ne suffira pas. Ils vont venir vous dire, oh oui, on va construire une école, tu peux construire le bâtiment. Si le ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement là, n'envoie pas des enseignants, il n'aura pas d'école. On peut venir construire un bâtiment pour dire ça là, c'est un hôpital. Si le ministre de la Santé ne vous envoie pas des médecins, des infirmiers, des sages-femmes là, ce serait des bâtiments vides, ce ne serait pas des hôpitaux. C'est pas la peine d'écouter les, comme on les appelle en français, les vendeurs d'illusions. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être encore connectés sur mon podcast. Votre rôle, c'est de partager la vidéo ou mon rôle, c'est de parler. N'oubliez pas de vous abonner à la page. C'est important pour pouvoir me suivre. Et cliquez sur la cloche. C'est important pour pouvoir avoir les notifications. Vous avez écouté deux personnes. En l'occurrence, Kandia Kamisoko Kamara et M. Bitogo Adama. Dit Adama Djaba. Vous avez écouté les propos de Kandia Kamara. Pour terminer, Kandia Kamara demande si... Pour être maire à Côte d'Ivoire, il faut poser la question au candidat si la personne connaît le président de la République. Ou bien si la personne connaîtrait le Premier ministre. Mais il faut rappeler au RDR, parce que c'est important, que sous Babo, le RDR avait beaucoup de maires. Ce qu'ils font là, c'est du chantage avec les deniers publics. L'argent de l'État doit être redistribué à tout le monde. C'est important à tous les maires afin qu'ils puissent travailler. Mais on a vu, c'est sous le RDR que le budget des maires ont été bloqués.
pour contraindre ces maires-là à adhérer au RHDP. Tous les projets que ces maires, on a vu ici beaucoup de maires indépendants qui ont gagné les municipales ici face au RHDP il y a de cela 5 ans. Mais à coup d'un pas de mandat, ces personnes-là, ces maires, ces élus qui étaient indépendants, ont été privés de leur budget et contraints d'adhérer au RHDP. Ces maires étaient obligés d'adhérer contre leur gré au RHDP. Parce qu'ils se servent des leviers de l'État. Ils se servent des caisses de l'État pour faire du chantage à des élus. Il y a bien à des élus. C'est-à-dire qu'une population qui, en toute franchise, puisque nous sommes en démocratie, va voter celui qui le plaît. Celui qui lui plaît. Et ils ne trouvent pas ça bon. Ils vont tordre le cou à la démocratie. Ils vont maintenant faire du chantage à l'élu. On a vu comment il y a eu une vague d'adhésion au RHDP. Parce que ces personnes n'avaient pas le choix. Entre intimidation, chantage et menace, et coupe, et comment dirais-je, blocage de leur budget, il faut choisir. On a vu ici, sous le RDR. Alors que eux, sous Gbagbo Laurent, ils n'ont pas subi cela. Eux, ils avaient des maires sous Gbagbo. Ils ont eu des villes sous Gbagbo, mais n'ont pas eu ces gens de cas. Ces gens sont des terroristes politiques. En fait, bref, nous allons évoluer. Vous avez écouté ici M. Adama Bitogo avec ses promesses en un point fini au niveau de Yopougon. Il faut signifier qu'à Yopougon, il y a tellement un problème qu'il vous cache. Yopougon a été dirigé par un monsieur. Le bilan qu'il y a à Yopougon, puisque M. Bitogo a dit que Yopougon, il manque de l'eau, Yopougon, il manque du courant et autres. Il a pris le DG de Côte d'Ivoire Énergie, tout, afin qu'il puisse faire le projet Yopougon 2040. Mais la solution n'est pas Bitogo. Bitogo est un populiste, est un démagogue. C'est un vendeur d'illusions. Ce qu'il promet à la population de Yopougon. Mais il peut faire ça à Beauville. À Beauville, il y a près de 200 000 habitants. Le peuple Abe, le peuple Krobou, le peuple Atié a besoin de ce que Bitogo veut faire à Beauville. Qu'il fasse ce qu'il veut faire à Yopougon, que Bitogo aille faire ça à Beauville. Puisqu'il est député de facto. Puisque tout le monde sait, c'est un secret des polichinelles. Même les fétiches sont au courant que M. Bitogo a été battu dans les urnes par Mademoiselle Fleur Akembo pendant les élections législatives. Mais il y a eu un braquage, il y a eu un passage en force validé par le conseil constitutionnel militant du RDR Promax Grosgrain. Et alors, M. Bitogo, qui aujourd'hui est élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, parce qu'il est élu, entre guillemets, d'Agboville. Et il va être maire d'où d'Abidjan à Yopougon. Mais le plan Marshall que M. Bitogo veut mettre en place pour Yopougon, là. Mais qu'il aille mettre ce plan Marshall à Agboville, à sa population qui en a besoin. Parce que Agboville, là, a un manque criard d'eau, de courant et de tout. Les infrastructures sanitaires, il manque de tout à Agboville. Et donc, ce monsieur qui est un parachuté à Yopougon, est un vendeur d'illusions. Parce que, qu'ils vous disent, qui était le maire sortant et qui est le maire actuel de Yopougon, c'est M. Kafana Kone. C'est M. Kafana Kone, le président du directoire du RHDP. C'est lui qui est le maire actuel de Yopougon, qui a échoué lamentablement. Mais si c'était un opposant qui était à Yopougon et qui avait échoué, comme le cas de M. Kafana, on pouvait dire oui, il faut prendre un plan Marshall pour Yopougon. Mais c'est le RADP qui est aujourd'hui à Yopougon. Et le RADP de Yopougon, il y a une fissure. Puisque M. Koulibaly Issouf, adjoint au maire de Yopougon, qui devait normalement être le candidat naturel, ou bien M. Diawara, qui était un élément de photocopie, qui devait être le candidat également du RADP, ont été tous mis à l'écart et même menacés. J'informe ici que M. Koulibaly Issouf, l'actuel adjoint au maire de Yopougon, ne peut plus sortir de chez lui à domicile. Ils lui ont intimé l'ordre de ne plus faire de la politique à Yopougon tant que le municipal ne passe pas. Parce qu'ils ont imposé qui? M. Adama Bitogo, qu'ils l'ont parachuté au RADP. Ça, c'est leur cuisine interne. Mais il faut dire que Yopougon aujourd'hui, là, c'est que M. Bitogo énumère, mais c'est le bilan du RHDP. Manque d'eau, insécurité, oui,
manque d'électricité, c'est le bien du RHDP. C'est target que M. Ouattara vous a envoyé à Yopougon afin de pouvoir construire Yopougon, afin de pouvoir embellir Yopougon. Mais vous avez eu le temps de le faire. Puisque depuis des années, c'est vous qui êtes maire de Yopougon. Donc l'échec vous incombe. Et mieux, il faut dénoncer ces gens de paratissage. Des individus qui sont maires et députés à commander à Beauville, quand on peut parler bombarder à Yopougon. Quand on a vu le cas personnel d'Abel Bakayoko, qui était maire de Séguéla, qu'on a bombardé où? À Bobo. Mais il y a un problème. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir coloniser les autres régions de Côte d'Ivoire. Et cette impression, elle est validée. Puisqu'on peut trouver aisément des candidats issus, nombreusement, du nord, venus les bombarder au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, comme candidats. Mais on ne verra pas le contraire. C'est-à-dire, voir des personnes issues de l'est, du centre, de l'ouest, ou bien du sud, bombarder au nord comme étant candidat aux élections municipales, aux élections législatives, aux élections départementales, internes au RHDP, même aux élections régionales. On ne trouvera pas l'inverse. Mais l'État qui est bon chez vous, ça dépend des Bitogons, les envoyés à Abidjan, les candidats camarades, les bombardés comme étant élus et comme maires des communes d'Abidjan. Mais ce qui frappe aux yeux des Ivoiriens, c'est une colonisation sous le RDR. Mais vous avez abandonné le nord de la Côte d'Ivoire. Le plan Marshall que M. Bitogo veut mettre en place. Mais qu'il a fait ça là-bas à Boaké. Boaké est une grande ville qui a besoin de ce plan Marshall. Mais le plan Marshall qu'il veut mettre en place là-bas à Yopougon. Yopougon 2040. Mais le nord qu'ils ont pris en otage, politiquement parlant, et militairement parlant, parce qu'ils voulaient advenir, ils voulaient atteindre coûte que coûte le palais présidentiel. Mais ce nord-là a besoin d'infrastructures, de plans Marshall. La ville de Nakara a besoin de plans Marshall. La ville de Katola a besoin de plans Marshall. La ville le village de Kanawolo a besoin de plans Marshall. Taféré a besoin de plans Marshall. Odené a besoin de plans Marshall. Même Kong, chez M. Ouattara, a besoin de plans Marshall. Mais vous êtes tous étouffés où? À Abidjan. À Abidjan. Alors que le bilan incombe à qui? Le bilan incombe au RHDP. Le bilan catastrophique. Le bilan lamentable. Le bilan effroyable. À Yopougon, incombe au RHDP à travers M. Kafana Kone, qui est l'actuel maire de Yopougon. Mais le peuple abe, oui, le peuple abe, le peuple abe, le peuple Krobou a besoin de Bitogo à Beauville. Le peuple Atier a besoin de Bitogo à Beauville, puisque c'est là-bas qu'il a braqué les élections législatives. Et donc, il aille se battre pour arracher le fauteuil municipal et montrer de quoi il est capable à sa population qu'il a pris en otage. C'est important de le signifier. Mais c'est target de lui que M. Ouattara vous a envoyé en mission. Mais quelle mission? En passant par la corruption, en allant corrompre les syndicats, en allant corrompre les commissaires de police, puisque nous sommes informés. En allant corrompre des hommes religieux, actuellement, je vous informe que Yopougon est une bombe à retardement, est une bombe, est une cocotte minute qui va exploser. Parce que le RDR est prêt à tout. Ils ont déjà pris sous leur coupole tous les commissaires de police. Ils ont déjà pris sous leur coupole les syndicats. N'oubliez pas, syndicats riment avec quoi? Avec les bacas, d'où le baca vert. Et donc, ils vont mettre Yopougon à coupe réglée, sur un pied, pour pas la victoire de force. C'est important. Alors, il faut dire à M. Bitogo que Yopougon ne tombera pas. La tour Yopougon ne tombera pas. Et le peuple de Yopougon, la population de Yopougon doit faire barrage. C'est une insulte à votre intelligence. C'est une insulte. Venez vous mentir. Venez vous promettre, moi c'est merveille. Vous promettez tout. Dites à M. Bitogo, prenez son argent et bouffez. Mais les jours des élections, vous ne les votez pas. Il faut les sévir dans les urnes. Il faut lui donner une correction totale, humiliante à ce monsieur à Yopougon. Il faut leur dire que Yopougon est imprenable. Et dans toutes les communes, il faut les renvoyer à leur copie. D'aller s'occuper de la ville où ils sont députés. C'est important.